Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo comment ramollir sa graisse. Donc vous aurez besoin de graisse, n'importe quelle couleur, et du dos d'un pinceau. Quoi, vous pouvez prendre n'importe quel truc pour mélanger, mais moi je préfère prendre le dos d'un pinceau. Donc après, donc là j'ai enlevé les trucs sur le capuchon parce qu'il y avait un peu de graisse dessus, donc j'ai enlevé. Après, vous allez tout simplement venir prendre le dos de votre pinceau et mélanger. Mélanger, mélanger, mélanger. Donc au début, ça fera un peu bizarre comme vous pouvez le voir. Mais après, une fois que vous aurez bien mélangé, ça deviendra tout mou, ça sera beaucoup mieux. Donc comme je vous l'ai dit au début, ça fera super bizarre, surtout que moi, je l'avais acheté aujourd'hui, donc... je l'avais encore jamais utilisé, du coup elle était remplie et je faisais que de m'en mettre partout autour, du coup ça a été un peu compliqué. Donc de toute façon vous allez voir au sud de la vidéo, donc ça va faire un effet pâteux au début, mais c'est pas grave du tout hein. C'est pas du tout grave, donc c'est bien parce qu'il n'y a pas besoin de prendre de produits ou quoi que ce soit pour qu'elles ramollissent. Donc c'est super parce que généralement les graisses deviennent dures, surtout en hiver, et c'est comme si elles gelaient en fait, alors qu'en été elles font une espèce de liquide et après on n'arrive plus du tout à en appliquer. Bah c'est compliqué quoi, qu'au moins là quand c'est mou, bah c'est beaucoup mieux, on arrive beaucoup mieux à appliquer. De toute façon vous verrez bien. Et je pense que je ferai également une vidéo test de la graisse, parce que ça sera la première fois que je testerai cette méthode là. Donc je vais vous la montrer. Donc là en fait j'avais mis sur pause et j'avais continué à mélanger. Et comme vous pouvez le voir, bah, ça doit devenir un peu comme ça. Donc ensuite il y a encore quelques petits bouts durs quoi, mais c'est pas trop grave. C'est bon, on va pas. C'est pas parce qu'il reste 2-3 petits bouts durs qu'on va critiquer pour ça. Donc comme vous pouvez voir, elle est super lisse, elle est molle quoi. Et donc donc en fait, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce qu'en fait j'avais vu une personne la faire. Du coup je me suis dit bah pourquoi pas la faire. Et je vous mettrai le nom de sa chaîne en barre d'infos, parce que là je m'en souviens plus. Donc je mettrai le nom de sa chaîne en barre d'infos. Et puis bah voilà. Donc comme vous pouvez le voir, là on dirait qu'elle est jaune, mais elle est blonde quoi. Vous voyez un peu que commençait à être la graisse blonde, je pense. Enfin j'espère. Donc voilà, donc là... je vais vous montrer un peu, donc vous continuez de mélanger, 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 jusqu'à où vous voulez, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager, et à laisser des commentaires, et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine.